Mais vous ne songez qu'au chaos. C'est son mode opératoire, non? En fait, on est quoi? Une équipe? Non, 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 on est un composé chimique qui provoque le chaos. On est une bombe à retardement. Vous, éloignez-vous de moi. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas le droit de péter un peu les plombs? Vous savez très bien pourquoi, ne me provoquez pas, vous. Plus vous m'en empêcherez, plus j'en aurai envie. Ouais. Vous jouez au dur sous votre armure. Si on vous l'enlève, vous êtes quoi? Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Je connais des gars sans rien de tout ça qui en valent 10 comme vous. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. Vous n'êtes pas le genre à savoir vous sacrifier. Coucher sur des barbelés pour que d'autres soldats rampent sur vous. Non, moi je couperai les barbelés. Toujours une pirouette. Oui, vous n'êtes peut-être pas une menace, mais évitez de vous faire passer pour un héros. Un héros? Comme vous? Vous êtes une expérience de laboratoire, Rogers. Tout ce qui fait de vous un type exceptionnel est sorti d'une bouteille. Votre armure. Allons faire quelques rondes. Vous êtes tellement mesquin. Et grotesque. Oui, c'est une super... Agent Romanoff, veuillez escorter le docteur Banner jusqu'à... Où ça? Vous avez loué ma chambre. La cellule n'était là qu'au cas où. Au cas où il aurait fallu me tuer. Eh bien, je regrette. J'ai essayé. On ne peut pas. Je touchais le fond. J'ai décidé d'en finir, alors je me suis tiré une balle dans la bouche. Et l'autre l'a carrément recraché. Alors je suis passé à autre chose. Je me suis consacré à aider mon prochain. Je m'en sortais bien. Jusqu'à ce que vous me rameniez dans cette espèce de cirque, en mettant tout le monde en danger. Vous voulez savoir mon secret, agent Romanoff? Savoir comment je garde mon calme? Docteur Banner, posez ce sceptre. On le tient. Désolé les enfants, c'est pas aujourd'hui que vous verrez mon numéro. Vous l'avez localisé? Je serai le premier sur le Tesseract appartient à Asgard, ça dépasse les humains. Vous n'irez pas seul. Vous allez m'en empêcher? Mettez l'armure, on verra bien. Je tabasse les vieux, ça me dérange pas. Mettez cette armure. C'est pas vrai. Mais il est impossible de sortir pour faire une réparation en plein vol. Si on perd un autre moteur, on ne sera plus en vol. Il faut que quelqu'un sorte le réparer d'urgence. Stark, vous avez entendu? Je m'en charge. Coulson, lancez le verrouillage défensif de la section des tensions et retrouvez-moi à l'armurerie. Romanoff! Ça va. Dites-moi que ça va. Ne relancez pas ce moteur. À vos ordres. On ouvre la cellule dès que les caméras sont éteintes. Compris. Avec moi.